Êtes-vous prêt à faire partie d'un partenariat gagnant qui propulsera votre succès vers de nouveaux sommets? Rejoignez dès aujourd'hui le Club 500 de Jean Ernst Leadership et découvrez comment soutenir financièrement notre émission tout en bénéficiant d'avantages exceptionnels. Le Club 500 de Jean Ernst Leadership va bien au-delà d'un simple club. C'est une occasion unique de soutenir une émission inspirante qui forme aujourd'hui les leaders de demain. En devenant membre du club et en choisissant votre niveau d'adhésion, vous contribuerez directement au financement de l'émission Jean Ernst Leadership. En soutenant financièrement notre émission, vous accédez à de nombreux avantages exclusifs. Vous bénéficierez d'un accès privilégié à des séances de formation, des conférences inspirantes et des ressources de développement personnel de qualité. De plus, vous serez invité à des événements spéciaux réservés aux membres où vous pourrez interagir avec des professionnels accomplis et des leaders d'exception. Votre adhésion au Club 500 de Jean Ernst Leadership est un investissement précieux dans votre propre croissance et celle des futurs leaders. L'inscription est simple et rapide. Rendez-vous sur notre site web pour découvrir les différents niveaux d'adhésion disponibles. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et rejoignez-nous dès aujourd'hui pour faire partie de cette communauté engagée de leaders. Ne manquez pas cette occasion unique de contribuer à une cause qui compte. Rejoignez le Club 500 de Jean Ernst Leadership et ensemble, créons un monde où le leadership et l'inspiration sont accessibles à tous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Francine Basile, fan inconditionnelle de Jean Ernst Leadership. Vous voulez savoir ce que cette émission a apporté dans ma vie? Eh bien, elle m'a permis de me repositionner et m'a donné les outils adéquats en tant que leader dans ma vie professionnelle. Et en ce qui concerne ma vie personnelle, j'ai acquis les savoirs, faire et être pour avancer sereinement. Et vous, qu'attendez-vous? Bien, rejoignez-nous chaque dimanche entre 8h et 9h. Surtout, ne la ratez pas. Vito, comment est-ce là? Comment est-ce que je la fais finir comme ça? Moi, je fais une pelle de 10 bouches dans ma manger, dans ma boue dans le pays. Je me pose peut-être une question, jour qu'il est, ma carrière une belle expérience boisson qui quitte bon goût dans la bouche. Rétez là, Zomim. Tu vas dire comme ça? Est-ce que tu connais un carré tourné sur une boue bouche ou encore? Pas pour me dire nous-mêmes. C'est la parole d'affaire à parler. Oh non! Parole tête droite! Ma parole de bénédiction crémasse, bon crémasse qui c'est exactement produit haïtien. Parfait, oui. Bien bagage encore ici. On a eu un tout pas qu'on connaît ça. Bénédiction crémasse là pour toute occasion. Mariage, communion, baptême, action de grâce. C'est bien intéressant et toute qualité. Coucouye, agana, chocolat, mango, romrezé, tamarin, café, brocoli, grenadier et puis gingembre. Qui ça? Ça, entendez, quel que soit côté où il est, la caribe est joint nous. Si c'est comme ça, bon, faire comme une femme, non? Pour ne pas rater l'opportunité, sauver le bouche. Ça va prendre bénédiction crémasse, la boisson des connaisseurs. Pour passer commande, pour carréler dans 857-615-2062. Ou bien, vous pouvez écrire nous dans l'adresse courriel nous, copilbenita@commercial.gmail.com ou bien bénédictioncrémasse.com. Bénédiction crémasse. La boisson des
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous joindre à l'émission de ce soir, l'émission Jean-Ernest Leadership, diffusée tous les dimanches à partir de 20h sur les plateformes Facebook, YouTube et LinkedIn. Une émission qui se veut, comme je l'ai toujours précisé, un élément contributoire à votre croissance. Notre souci premier est de vous aider en tant que leader à découvrir votre leadership et à impacter votre environnement. Nombreux sont ceux qui sont morts, qui meurent sans arriver à découvrir leur leadership, voire impacter ceux avec lesquels ils interagissent. Nous ne voulons pas que telle situation continue. Nous voulons faire tout notre possible afin de vous aider, que vous soyez homme, que vous soyez femme, qui que vous soyez chef d'entreprise, leader politique, père et mère de famille, que vous soyez également membre des associations caritatives. Nous voulons vous accompagner et c'est ce qui nous a permis depuis quelques années de mettre sur pied, de lancer ce direct qui continue à faire son quotidien de chemin. Merci à ceux qui sont avec nous. Nous voulons saluer et ceux qui sont déjà branchés, Madame Yves Carmel qui nous suit. Nous saluons Michel Fanor, sans oublier Dr. Enoch François. Nous voulons saluer également Madame Franceline Basile, la communauté Les Jeunes et la recherche scientifique. Tous ceux qui sont branchés, Madame Jennifer Dupéra depuis le Brésil. Toute une équipe est là pour encourager ce projet. Et je dois préciser aussi que pendant tout le mois de juillet, nous avons consacré quasiment le mois aux femmes. La semaine dernière, il était question d'accueillir à l'émission une femme répondant au nom de Toastmaster Myrta Jean-Pierre. On a eu de très beaux échanges avec Toastmaster Myrta où on s'est inspiré de son leadership. On a eu la chance de l'inviter à partager avec nous son parcours, ses expériences en tant que femme. Et j'imagine que beaucoup de femmes ont pu apprendre de la bouche de Toastmaster Myrta. Mais ce soir, nous avons une autre femme qui est avec nous. C'est une femme qui s'engage dans la lutte qui consiste à promouvoir le leadership des femmes en Haïti. Elle répond au nom de Marquise Ferjuste. C'est elle qui va devoir répondre à nos questions ce soir. Ne quittez pas, partagez le direct dans vos différents groupes, dans vos différents réseaux, pour que le plus de gens possible soient impactés par l'intervention de Madame Marquise Ferjuste, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Madame Marquise, et comment ça va? Comment a été la journée? Bonsoir Jean-Ernest et bonsoir à tous les fanatiques de votre émission. Bonsoir également à tous les membres de l'organisation collective des femmes universitaires haïtiennes qui vont nous brancher. Et bonsoir à tous les amis et un spécial bonsoir pour vous de la part de Étienne Aurémil. Excellent. Super, madame Ferjuste, je voulais commencer par te féliciter pour ton courage et pour ta détermination. Je sais que, en tant que femme, ce n'est pas du tout facile de s'engager dans un tel combat, mais tu as dû résister, tu as dû faire face à beaucoup d'intimidations, de défis, de problèmes, et tu es encore là pour continuer à inspirer les femmes. Donc, je voudrais te féliciter et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Et en fait, vous l'avez dit, c'est pas facile du tout. Et les défis continuent, mais la motivation est là. Et on continue. C'est ça, une lutte, en fait. Excellent. Merci. Donc, je vous invite, comme je l'ai précisé tantôt, à partager le direct. Et je salue nos amis qui viennent tout juste de se joindre à nous. Et nous allons avoir une entrevue très inspirante avec Madame Marquise Ferjuste qui est avec nous ce soir. Madame Marquise, tu es là pour participer à cette émission. La première question que je pourrais te poser, ce serait de nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Bon, et je pense que, en fait, tu m'as assez bien introduite. Je suis Marquise Ferjuste. Je coordonne un groupe, une organisation qui milite pour le respect des droits des femmes et aussi
et leur intégration pleine et entière dans la société haïtienne. C'est le collectif des femmes universitaires haïtiennes avec le cycle COFU. Et je suis également juriste, j'ai étudié aussi la sociologie à la faculté d'ethnologie. Et voilà, je pense que pour le moment, ça va. Ok, ok. Je comprends comprends que tu es une femme très modeste, hein, tu n'aimes pas trop parler de toi, mais il y a un aspect sur lequel je voudrais que tu mettes l'emphase, c'est au niveau de l'organisation que tu diriges, le collectif. À quoi consiste cette organisation? Qu'est-ce que vous faites exactement à travers cette organisation? En fait, comme son nom l'indique, c'est le collectif des femmes universitaires. Et beaucoup d'organisations de la société sont surtout axées sur les violences basées sur le genre. Et nous-mêmes, nous avons choisi de mener notre combat au niveau de l'éducation aussi. Et l'éducation, ça passe par divers secteurs, ça passe par la famille, ça passe par l'État, ça passe par diverses institutions comme l'Église et les médias. Et nous-mêmes, nous voulons nous mettre en avant-garde et en proposant, en sensibilisant et surtout en dénonçant. Ok. Je suis d'accord en ce sens que il y a un principe selon lequel quand on voit quelque chose, il ne faut pas se taire, il faut élever la voix, il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé, et c'est quand même un engagement citoyen de prendre une distance critique par rapport à ce qui se passe et de se positionner en tant que citoyen, en tant que citoyenne et même en tant que leader. Madame Marquise, et j'ai dans nos échanges et avant l'émission, tu m'as appris que tu es passionnée pour le leadership et que le leadership c'est un concept qui t'intéresse beaucoup. J'aimerais que tu puisses nous apporter des éléments définitoires de la notion de leadership. Comment est-ce que toi, tu définis le concept de leadership? Avant de donner ma définition, parce que quand même beaucoup, beaucoup de gens ont réfléchi sur la question, il y a un livre, parce que j'ai suivi une formation avec, c'était financé par le département d'État américain, et j'ai reçu en fait à l'occasion un livre assez intéressant sur la question. C'est le livre de Ken Blanchard avec Mark Miller, Comment développer son leadership. J'ai remarqué une chose, quand on parle du leadership, on utilise des verbes comme développer, et promouvoir, faire ressortir, des verbes qui laissent comprendre que quelque part le leadership est déjà en soi. Et parler de leadership féminin, c'est dire déjà que les femmes ont déjà ce leadership en elles-mêmes. Et Ken Blanchard, quand il dit développer son leadership, je ne sais pas si quand vous étiez enfant, vous aviez fait des acrostiches, et il y a un acronyme qu'il a utilisé pour parler des 6 préceptes pour être un bon leader. Parce que dire leadership, c'est voir le leader. Avec ça, on a le leader comme ça peut être le berger, le guide. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est cette capacité qu'on a à mener, à conduire et vers un but précis. Ça veut dire que parler du leadership, c'est déjà parler de but, d'objectif. Et Blanchard, lui, il parle de 6 préceptes avec un mot crucial. C'est le mot servir. Quand vous dites servir, vous avez le S, la lettre S.
qui dit signaler l'avenir. Donc, le leader, c'est quelqu'un de proactif. C'est quelqu'un qui voit plus loin que les autres et qui, par sa conviction, sa passion, si je peux dire ça comme ça, va sensibiliser les autres sur la question pour pouvoir... Et bon, déjà, dans le leadership, on voit leader, mais aussi on voit l'équipe. Donc, le leader n'existe pas sans l'équipe. Donc, quand le leader prévoit quelque chose pour demain, c'est avec l'équipe qu'il va travailler là-dessus pour avoir des résultats. Donc, c'est le S pour signaler l'avenir. Et c'est le E pour engager et les gens et les faire grandir. Le leader, c'est celui aussi qui fait grandir l'autre. Je me sentirais plus confortable avec un cas précis. C'est dans la famille. Et la mère de famille, par exemple. La mère de famille, c'est déjà un leader. Un leader, et l'équipe, c'est la famille, les enfants, et le père et les autres membres aussi. Donc, déjà, engager les autres. Quand une mère a son enfant, elle est censée lui confier des responsabilités. C'est ça, l'engagement. Et ensuite, on a le R pour réinventer sans cesse. C'est-à-dire, c'est encore ça, la proactivité. Voir, de réfléchir toujours pour de nouvelles perspectives, vers l'amélioration. J'ai lancé un mouvement, c'est moi, c'est Haïti, autour d'un triangle, c'est le triangle des trois I, c'est l'identité, l'image et l'innovation. Et l'innovation, c'est pour moi ce volet-là, ce précepte-là, réinventer sans cesse, toujours voir mieux, toujours réfléchir à comment et améliorer. Il y a aussi la lettre V. La lettre V, c'est valoriser les résultats et les personnes, les relations. Et entre la mère de famille, par exemple, après avoir confié des responsabilités à l'enfant et que celui-ci a bien géré, il y a le volet de célébrer, la célébration des victoires et faire sentir à la personne qu'elle est importante, et à l'enfant qu'il est important. Cette célébration maintient l'esprit d'équipe. Donc, pour cela, il faut être à l'écoute, il faut prendre soin l'un de l'autre, donc c'est accentuer sur le positif. Et je suis tout à fait d'accord avec ce précepte aussi. Et il y a le I qui est l'incarnation des valeurs. Donc, dans l'équipe, on peut pas monter une équipe sans aucune valeur. Sur quoi est-ce que l'équipe se base-t-elle? Et au niveau de l'organisation COFU, nous avons pour valeur l'intégration des femmes et le respect de leurs droits et des libertés individuelles, et la non-violence, etc., l'éducation. Donc, c'est des valeurs sur lesquelles agir. Et une personne qui... OK. Au niveau de l'organisation, je suis, par exemple, le leader. Je dis, non, il ne faut pas battre les femmes. Et moi, comme femme battue, et je me sens bien dans un ménage de violence. Là, et on perd la confiance. Donc, pour avoir la confiance du leader, ce dernier doit pouvoir incarner et les valeurs et qu'il prône. Donc, c'est ça. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Et pour finir, la dernière lettre, bon, c'est comme pour résumer, c'est réfléchissez toujours.
Donc, il faut toujours, c'est toujours dans la réinvention, c'est toujours penser l'action, penser les résultats et voir l'amélioration. Voilà, c'est en six lettres, voilà, servir. Et pour moi, le résumé du concept leadership. Merci. Pour ceux qui viennent tout juste de nous joindre, je tiens à préciser que nous accueillons ce soir à l'émission Madame Marquise Ferjuste, et elle intervient autour de cette thématique et comment promouvoir le leadership des femmes en Haïti. Et je peux dire que Madame Marquise, tu vas au-delà de mes attentes à travers cette question que je viens tout juste de te poser. Et la question est en rapport à la définition du leadership. Tu as mis l'emphase sur le fait que le leadership, c'est quelqu'un qui est appelé à mener, conduire, mais tout en faisant preuve de conviction et de passion. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que le leader, il ne peut pas diriger s'il n'intériorise pas un certain nombre de valeurs. Donc, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué dans ton intervention. Maintenant, et tu... Si tu me permets, ajouter à cela, comme pour conclure, je dirais que la mission du leader à travers cette définition, c'est de servir. C'est ça, les six préceptes, le mot servir. Donc, le leader, il n'est pas là pour être servi, mais il est là pour servir. Voilà. Parfait. Le service doit faire partie intégrante de la vie du leader. J'aimerais qu'on puisse se focaliser sur le sujet. Et je rappelle que ce soir, nous abordons avec Madame et Madame Marquise cette thématique: comment promouvoir le leadership des femmes en Haïti. Et j'ai noté dans ton intervention, Madame Marquise, que chaque individu a quand même une certaine marque de leadership. Nous avons quand même un certain sens de leadership qui sommeille en nous. Dans ton cas, et à quelle période de ta vie tu as pu découvrir ton leadership? Tu t'es rendu compte que tu es un leader et que tu peux être une réponse pour ta génération. À quelle période? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, tout à fait. En fait, je suis l'aînée d'une famille. En fait, je suis l'aînée de ma famille, pour commencer. Mais du côté de ma grand-mère, je suis la première petite fille. Déjà, et il y a beaucoup d'autres, d'autres enfants, d'autres petits-fils et petites-filles qui sont venus après moi. Et déjà, c'est une certaine responsabilité. Et qui, quelque part, va permettre de développer en moi un certain sens de leadership. Déjà, je suis l'aînée de ma famille, de différents 7 ans et 14 ans. J'ai appris à m'impliquer, à prendre des responsabilités auprès de ma petite sœur, de mon petit frère, dont je suis la marraine d'ailleurs. Mais pour ce qui est de l'engagement conscient, je crois que c'est arrivé aux environs des années 2009 et 2010. Oui. 2009, juste avant le COVID, à la fac, il y a fait toujours des crises et je suis quelqu'un qui, normalement, quand je dois dire quelque chose, je le dis, je ne me tais pas. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prendre des positions. Au final, en 2010, après avoir côtoyé des gens, au niveau des organisations avec Grafné, pour commencer ma première expérience, j'étais responsable de la section des femmes au sein du Grafné et le Grand Front National pour les étudiants haïtiens. C'était avec James Jacques. Et puis après, j'ai décidé de fonder le collectif des femmes universitaires haïtiennes, COFU, en prenant conscience des réalités des femmes dans les camps après le séisme du 12 janvier. Et je pense que c'est là que ça a démarré.
pour de bon. Super, super, super. Et quand même un parcours assez inspirant. Mais est-ce que si tu devais faire dresser un bilan de tes réalisations depuis que tu t'es lancé dans ce mouvement, et qu'est-ce que tu nous dirais? Est-ce que tu as des exemples concrets que tu pourrais partager avec ceux qui te regardent aujourd'hui en termes de bilan? Oui, un bilan, pas comme je l'aurais souhaité, mais ça avance. Et nous avons réalisé des activités avec des jeunes filles sur le champ de Mars sur leur importance, leur talent et sensibilisation sur les violences. Et au niveau des locaux de la faculté de droit et de la faculté d'ethnologie aussi. Et nous organisons encore et assez souvent des conférences, débats, des causeries, et ça continue. Là maintenant, on travaille sur un projet d'enquête parce que il y a une gynécologue au sein du collectif qui nous a fait part des cas qu'elle reçoit régulièrement de femmes et qui sont victimes de violences, surtout dans les milieux défavorisés avec le banditisme, et on est en train de travailler sur une enquête et plus tard un cahier de choses. Mais ça va difficilement, mais les filles voyagent, il faut à chaque fois repasser la structure, c'est ça la réinvention sans cesse, et réfléchir toujours. Ok, je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu as déjà pris le temps de réfléchir là-dessus, parce qu'on parle souvent de violences faites aux femmes. Est-ce que l'inverse quand même, serait quand même nécessaire de... Est-ce qu'il serait nécessaire de parler également certaines fois de la violence faite aux hommes? Parce que dans certains cas, il y a des femmes mais qui battent les hommes. Est-ce que ça fait l'objet de discussions chez les femmes certaines fois? C'est une question que les féministes rencontrent assez souvent. Et moi, ma réponse, elle est toute prête. Je suis contre la violence sous toutes ses formes. Et le bémol, ou plutôt le point sur lequel il faut s'accentuer, c'est surtout que la violence ne soit pas basée sur le genre. Et nous agissons contre les violences basées sur le genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des violences qui sont faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Et par exemple, si vous êtes victime de violences, et d'ailleurs c'est un piège pour les hommes, bon, le patriarcat qu'il a installé rend victime également les hommes. Par exemple, un homme qui est victime de violences venant d'une femme, il est souvent un homme, il est souvent ridiculisé, il est souvent, c'est même dans notre langage, et en Haïti, déjà, le courage, c'est masculin. Pour dire d'une personne, pas d'un homme, et qu'elle a du courage, on va dire en créole, il y a une graine dans le monde. Et pour dire d'une femme, ou d'une personne en général, pas d'une femme, mais d'une personne, qu'elle manque de courage, ou qu'elle est lâche, ou qu'elle ne vaut pas grand-chose, qu'elle ne donne pas de résultats, c'est dire que les gagnants, si tu me permets l'expression, c'est coco en bagarre. Donc déjà, dans notre imaginaire, il y a cette perception de l'homme courageux et la femme non courageuse, la femme fragile, la femme qui se laisse faire de toutes les façons. Donc, quand on agit sur les violences faites aux femmes, on n'agit pas, et on ne dit pas et automatiquement que les violences faites aux hommes sont permises. On dit tout simplement que les femmes ne sont pas censées être victimes de violences, et parce qu'elles sont des femmes, et quand elles sont victimes de violence, on n'a pas à chercher des justificatifs, à dire par exemple, c'est parce qu'elle a fait
qu'est-ce qu'elle avait fait. La question qui vient comme un réflexe quand une femme est victime de violence, et surtout violence conjugale, on peut même le voir sur les réseaux sociaux, on pose la question, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Mais il n'y a aucune raison qui justifie qu'une violence soit faite à une personne, encore moins à une femme. Alors, j'espère avoir répondu assez clairement. Excellent, pas de problème. Donc, on va juste prendre une pause et ne quittez pas et partagez le direct. Et je tiens à rappeler avant la pause que nous accueillons Madame Marquise Ferjuste, et coordonnatrice du COFU. Et le sujet sur lequel on met l'emphase ce soir, c'est bien comment promouvoir le leadership des femmes en Haïti. Donc, après la pause, on va mettre l'emphase surtout sur la notion du leadership. Quels sont les moyens qui doivent être mis en place pour que les femmes puissent développer leur leadership? Donc, ne quittez pas, on vous revient dans quelques instants. Fito, comment est-ce là? Comment est-ce que la fête finit comme ça? Moi, je fais une pelle de bouche dans sa map, manger dans sa map, boire dans le pays. Ça. Ma pose peut-être ma question, jour qu'il est, ma carrière une belle expérience boisson qui quitte bon goût dans la bouche. Mettez la zone même. Tu vas dire comme ça. Est-ce que tu connais un carré tourné sur une bouche ou encore? Ça ne va pas comme dire nous-mêmes. La parole t'a fait parler. Oh non! Parole t'es droite! Ma parole de bénédiction crémasse. Bon crémasse qui c'est exactement pour du haïtien. Parfait, oui. Bien bagage en bois, ici. Vous n'avez rien. Tu ne peux pas comprendre ça. Bénédiction crémasse là pour toute occasion. Mangage. Communion, baptême, action des grâces. Ça, c'est intéressant et toute qualité. Cocoyé, ananas, chocolat, mango, ombre, tamarin, café, brocoli, grenadine et puis gingembre. Qui ça? Ça, entendez-vous. Quel que soit côté où il y a, la caribe joint nous. Si c'est comme ça, on fait comme une femme, non? Pour ne pas rater l'opportunité, sauver le bouche. Ça va prendre. Bénédiction crémasse, la boisson des connaisseurs. Pour passer commande, vous carrelez dans 857-615-2062. Ou bien vous écrivez nous dans l'adresse courriel nous, copilbenita@commercial.gmail.com ou bien bénédictioncrémasse.com. Bénédiction crémasse. La boisson des connaisseurs. Êtes-vous prêt à faire partie d'un partenariat gagnant qui propulsera votre succès vers de nouveaux sommets? Rejoignez dès aujourd'hui le Club 500 de Jean Ernst Leadership et découvrez comment soutenir financièrement notre émission tout en bénéficiant d'avantages exceptionnels. Le Club 500 de Jean Ernst Leadership va bien au-delà d'un simple club. C'est une occasion unique de soutenir une émission inspirante qui forme aujourd'hui les leaders de demain. En devenant membre du club et en choisissant votre niveau d'adhésion, vous contribuerez directement au financement de l'émission Jean Ernst Leadership. En soutenant financièrement notre émission, vous accédez à de nombreux avantages exclusifs. Vous bénéficierez d'un accès privilégié à des séances de formation, des conférences inspirantes et des ressources de développement personnel de qualité. De plus, vous serez invité à des événements spéciaux réservés aux membres où vous pourrez interagir avec des professionnels accomplis et des leaders d'exception. Votre adhésion au Club 500 de Jean Ernst Leadership est un investissement précieux dans votre propre croissance et celle des futurs leaders. L'inscription est simple et rapide. Rendez-vous sur notre site web pour découvrir les différents niveaux d'adhésion disponibles. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et rejoignez-nous dès aujourd'hui pour faire partie de cette communauté engagée de leaders. Ne manquez pas cette occasion unique de contribuer à une cause qui compte. Rejoignez le Club 500 de Jean Ernst Leadership et ensemble, créons un monde où le leadership et l'inspiration sont accessibles à tous.
Voilà, de retour après la pause et je tiens à remercier ceux et celles qui sont encore là et qui continuent à nous encourager à travers cette émission. Je tiens à préciser que le Club 500 de Jean-Hens Leadership vous attend. N'hésitez pas à vous inscrire au club et nous avons des amis qui commencent déjà à rejoindre le club. Si cela vous intéresse, on vous attend un grand nombre. Vous pouvez payer votre adhésion sur le compte de Jean-Michel Charles BUH en Haïti, une adhésion de $60 américains tous les 6 mois qui vous donne droit à tout un ensemble d'avantages, des formations, des conférences, des séances de mentorat et de coaching. Et je tiens à préciser aussi que le site internet du club est en développement. Et très bientôt, vous aurez beaucoup plus d'informations pour ceux qui voudraient s'inscrire et qui voudraient payer à travers leur carte de crédit. L'émission End Leadership, pour ceux qui nous rejoignent à peine, sachez que cette émission a pris naissance depuis 3 ans et pendant le coronavirus. Et notre travail, notre souci premier consiste à vous inspirer et à vous aider à devenir des leaders d'impact. Et voilà pourquoi, dans nos différentes émissions, le concept de leadership est le pivot autour duquel tournent toutes nos interventions, également celles de nos intervenants et de nos intervenantes. Alors ce soir, et comme je l'ai précisé, nous avons comme invité Madame Marquise Ferjuste qui est avec nous, et elle intervient autour de ce sujet, comment promouvoir le leadership des femmes en Haïti. Maintenant, on va entamer la deuxième phase de l'entrevue avec Madame Marquise Ferjuste. Madame Marquise, on veut maintenant mettre l'emphase sur les questions, pour moi, les plus pertinentes dans le cadre de cette causerie. Lorsqu'on parle de promouvoir le leadership des femmes en Haïti, cela voudrait dire quoi selon toi? C'est-à-dire promouvoir le leadership des femmes. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on parle de cela? Déjà de la promotion, et comme je l'ai dit tantôt, et ça suppose dans l'esprit de tout chacun que c'est là, c'est déjà là. C'est comme vous avez un produit, vous allez promouvoir ça. Donc le produit est là, vous allez faire connaître ça, rendre public et ce produit. Donc le leadership chez les femmes, c'est déjà là. Donc dans la promotion, il faut voir les secteurs, les différents secteurs et qui ont leur rôle à jouer. Déjà, le leadership, c'est dans tout. C'est dans tout. Donc, il faut voir le secteur culturel, le secteur politique avec les partis politiques. Il faut voir le secteur social avec les différentes organisations et même la famille aussi. Et il faut voir le secteur économique, qu'il s'agisse de l'économie formelle ou informelle. Pour finir, il y a le secteur technologique avec l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, les femmes, il manque de femmes ingénieures. Notre dernière activité remonte à traiter et la question, d'ailleurs, avec une ingénieure. Elle partageait avec nous ses expériences en tant que femme ingénieure et par rapport aux obstacles qu'elle a rencontrés et comment est la réalité, en fait. Et elle nous a confié que lors de ses études, il n'y a pas eu 3 femmes ingénieures dans la salle. Et que pour moi, les femmes ingénieures devraient prendre cette initiative de promouvoir ce métier et pour les femmes, pour qu'elles soient beaucoup plus nombreuses à exercer et à l'exercer. Il y a aussi les femmes DJ, donc c'est dans tout en fait. Et la promotion implique tous les secteurs et toutes les institutions actrices aussi. Et par rapport à la mise en place de politiques publiques visant à réduire et les violences. Pour moi, c'est un obstacle majeur que constitue la violence dans la promotion du leadership chez les femmes. C'est triste à dire, mais même dans le milieu politique, on peut compter sur les doigts le nombre de femmes qui sont impliquées, qui sont là. Et
quelque part, il faut interpeller les institutions qui ont cette responsabilité. Nous avons dans notre constitution et la version amendée qui, bon, d'après les dires, n'est pas vraiment utilisée dans les tribunaux. Et il y a cet article, le quota des femmes, le quota de 30% des minimum des femmes à tous les niveaux de la vie nationale. Et, quelque part, l'État a son rôle à jouer pour que ce principe de quota devienne une réalité. À part l'État, il y a l'Église aussi. Presque tout le monde va à l'Église. Donc c'est une actrice. L'Église, c'est une actrice clé dans la promotion du leadership chez les femmes. Et ensuite, on a les médias déjà. Il faut que les médias fassent attention aux messages qui véhiculent, qui vont à l'encontre de ce concept de leadership. Les messages qui encouragent la violence, qui encourage l'exclusion des femmes. Et l'école aussi doit participer à mettre les femmes, les petites filles, dans des situations où elles peuvent expérimenter une certaine forme de leadership. Donc, c'est tout un package. Excellent, excellent. J'ai pris soin de t'écouter lorsque tu faisais mention des institutions qui doivent s'impliquer dans la promotion et du leadership au niveau des femmes, mais tu as fait mention de la famille, tu as fait mention des médias, et en dernier ressort, tu as mentionné l'Église, pas l'Église, mais plutôt l'école. J'allais quand même te poser une question au niveau des stéréotypes. Il y a quand même certains stéréotypes, même dans les manuels scolaires et haïtiens, où fort souvent on dit que... papi va au travail et mamie fait le ménage ou mamie fait la lessive. Et penses-tu que même au niveau des manuels scolaires, des ouvrages qui sont utilisés dans les écoles, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être repenser le contenu en ce sens que ces documents ou ces manuels scolaires encouragent la discrimination, je dirais, cette discrimination au niveau de la société? À votre propos, je vais partager avec toi une anecdote. Ma petite fille, une fois, même j'ai même la vidéo parce que j'étais choquée, elle a réalisé un petit dessin, elle avait alors 4 ans, elle a réalisé un petit dessin avec son papa, une mallette, une petite malle, comme un attaché-case. Et puis, sa maman avec une louche. Devant un four. Elle est très bonne à dessin. Alors, je lui ai demandé, mais j'étais très, très choquée. Je lui ai demandé, mais c'est quoi ça? Que va faire maman? Maman, elle cuisine, mais il n'y a pas que maman qui cuisine. Mais maman ne fait pas que cuisiner. Maman ne va pas au travail non plus. Oui, alors pourquoi tu dessines papa qui va au travail et maman qui cuisine? Bon, non. J'étais un petit peu brusque avec elle, mais. Quand même, le message est passé. C'est pour dire que, quelque part, et la famille doit être vigilante, même quand l'école et fait un travail qui n'est pas ce qu'on pourrait attendre d'elle. Et pour répondre pleinement à la question, c'est là que j'interpelle l'État. C'est son rôle, à travers le ministère de l'Éducation nationale, et de... Comme ils sont en train de promouvoir la langue créole, il faut aussi promouvoir le leadership chez les petites filles. Il faut aussi éliminer tous ces stéréotypes. Parce que c'est le nouveau monde, c'est ça. C'est les femmes au pouvoir. Je suis plus portée à dire « women leaders » au lieu de « boss lady ». Parce que pour moi, il y a une différence entre boss et leader. Et pour moi, c'est ce leadership-là, on est avec. Et pour le promouvoir, il faut carrément éliminer, pas peut-être, mais éliminer et tout stéréotype, tout
tout discours sexiste, tout ce qui va à l'encontre du développement du leadership chez les gens et chez les filles en particulier. Voilà, voilà, on continue cette belle causerie avec Madame Marquise Ferjuste, coordonnatrice du COFU. Et je rappelle que le sujet, c'est bien comment promouvoir le leadership des femmes en Haïti. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On n'est pas trop loin de la fin de l'émission, mais je pense que Madame et Marquise a fait tout son possible pour mettre dans le bain à travers les réponses qu'elle a fournies à l'émission de ce soir. Madame Marquise, j'ai quand même une certaine préoccupation par rapport à cette question du leadership des femmes. Vous savez que, je sais que tu es sociologue, on parle souvent des mouvements sociaux. Et à la faculté d'ethnologie, et je me rappelle avoir suivi un cours avec le professeur Antoine Augustin sur les mouvements sociaux. C'est-à-dire les sociétés qui arrivent à se développer, à connaître un certain progrès, passent par cette étape où les gens se lèvent, où ils dénoncent ce qui doit être dénoncé. Mais je vois que dans le contexte haïtien, les femmes, elles sont un peu, elles sommeillent à un certain niveau, en ce sens qu'on ne les voit pas vraiment s'impliquer dans une démarche de soulèvement pour défendre leurs droits. Est-ce que tu penses que faire des déclarations, dénoncer à travers la presse, c'est suffisant, ou est-ce que ces dénonciations ne devraient pas être accompagnées, je dirais, de certaines manifestations, bien entendu, non violentes, pour inciter l'État, le gouvernement à repenser les choses? Par rapport à cette question, ce que je pourrais répondre, c'est à chaque moment, une forme de bataille. Et ce n'est pas que les mouvements féministes qu'on ne voit pas dans les rues actuellement, mais on ne voit plus mouvement dans les rues actuellement. Ce n'est pas que les femmes qui dorment, mais c'est le peuple haïtien qui est en train de dormir, malheureusement. Et je pense que les femmes font ce qu'elles peuvent. Et à leur manière, actuellement, je crois que Neges Marron organise un festival et dans le sud du pays. Et c'est autour de nos petites filles. Le sujet, c'est nos petites filles. Il y a certaines formes de manifestations pour sensibiliser les gens et en particulier l'État, pour pousser l'État à porter ce problème. Mais la grande question, c'est où est l'État en ce moment? Que fait l'État en ce moment? Est-ce que l'État existe réellement? Est-ce qu'il est en train de faire quelque chose sur le plan global en excluant les femmes? Et alors là, on va dire que tout le monde est OK, sauf les femmes. Alors, il faut que les femmes prennent les rues. Donc, malheureusement, c'est un problème global qui ne touche pas que les femmes. Et oui, il est nécessaire que les femmes prennent les rues, mais il faut aussi voir le moment, il faut voir à qui s'adresser. Parce que parler des mouvements sociaux, c'est aussi parler des nouveaux mouvements sociaux avec Alain Touraine. Il y a le triangle voté, il y a l'opposition. Donc, déjà, on s'oppose à... Donc, il n'y a personne, en fait, qui dirige. C'est triste à dire, mais... Je pense que cela peut-être ferait l'objet de notre débat. Et peut-être, à une prochaine invitation, tu pourras peut-être élaborer. J'ai trois questions. J'ai au moins trois questions à te poser. Je sais que tu es très, très abondante. J'aimerais que tu répondes de manière brève, d'autant plus qu'il y a une question de Pierre Boussicot. On va revenir là-dessus. Mais ma question et je pense que tu l'as quand même abordé à un certain niveau, mais est-ce que tu pourrais énumérer quelques-uns des obstacles, Madame Marquise, qui sont
qui empêche aux femmes de faire valoir leur leadership en Haïti. Est-ce que tu as des exemples, peut-être un ou deux exemples que tu pourrais partager avec nous, des exemples d'obstacles qui empêchent aux femmes? Ma réponse, cette question va me permettre de conclure ma réponse et la réponse précédente. Oui, j'ai un exemple par rapport à cela, mais c'est toujours avec l'obstacle majeur qui est la violence. Et les femmes, mis à part, comme je pourrais dire, ce manque de confiance qui existe en elles-mêmes, mais il y a c'est pas quelque chose qui existe de façon isolée, c'est quelque chose qui est construit à partir des institutions précitées, mais aussi à partir des discours, des stéréotypés. Donc, l'exemple que je pourrais partager avec le public, j'ai une amie qui était très versée dans la politique. Elle était membre d'un parti politique d'ailleurs. Et puis récemment, avec la mort d'Antoinette Duclert, on avait Antoinette Duclert qui était très impliquée politiquement. Et avec son assassinat, je dois dire, pas sa mort, mais son assassinat brutal. Et mon ami m'a dit, et madame, nous paie, faut nous poser. Donc, quelque part, cette violence systématique elle a aussi ce résultat de décourager les femmes à s'impliquer. Donc, quelle que soit la façon dont je pourrais l'aborder, c'est réduire la violence systématique, la violence sous toutes ses formes, symbolique, verbale, physique, même quand une femme est au timon des affaires ou bien membre d'un gouvernement ou au plus haut niveau de l'État. Quand elle est victime de violence et qu'elle reste à subir ça, ça veut dire quelque chose pour elle. Est-ce que quelque part, cette personne peut dégager un leadership digne de ce nom? Donc, c'est la violence à éradiquer sous toutes ses formes. Excellent. Donc, il nous reste très peu de minutes pour terminer l'entrevue. Nous avons deux questions venant de ceux qui suivent l'émission en ce moment. La première question est de Pierre-Paul Boussico. Et elle est la suivante et je vais juste l'afficher et pour que tu puisses la voir. Est-ce qu'on peut être leader sans formation? Tu nous réponds dans une minute, Madame Marquise. Est-ce qu'on peut être leader sans formation? Non. C'est ça. On est leader, mais on est né leader. Mais pour développer ça, pour que ça donne des résultats, là, on va parler de bon leader et mauvais leader. Et il faut quand même un minimum de formation, il faut quand même un minimum de training. Un leader dans sa famille, même, il faut des expériences, c'est tout ça. Et formation sur le tas, formation à partir des expériences, c'est quand même formation. Donc, être leader sous formation, pour moi, c'est non. OK. La deuxième question est de Pierre-Enoch François. Quel conseil pourriez-vous donner aux femmes qui nous écoutent actuellement et qui voudraient, je dirais, développer leur leadership? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ce n'est pas réellement un conseil que je pourrais donner, mais ça, je l'avais gardé pour le mot de la fin, mais je vais lui dire quand même. C'est une phrase de Martin Luther King. Tout le monde ne peut pas être célèbre. Mais tout le monde peut être génial, car la grandeur est déterminée par le service. Donc, le conseil, en fait, c'est tu es une femme, tu es une leader, tu dois pouvoir choisir ton combat, ta mission de vie. Tu es né avec un objectif, avec une mission. Il faut la découvrir et l'appliquer. Pour finir, est-ce qu'il y a quelques femmes qui t'ont inspiré dans ton parcours, et Madame Marquise? Oui, il y en a eu. Et j'ai travaillé
pas travaillé, mais j'ai été membre de Formula pendant un certain temps avec Marie-Laure Angers-Sanasek. Et je l'ai suivie. J'ai appris d'elle beaucoup de choses. Il y a eu aussi mon ancienne directrice, et Marie-France Mondésir. Mais je suis en train de voir avec beaucoup d'autres femmes de notre génération. Et on a Karine Jean-Pierre, pour parole, bon, à l'extérieur. Pour les femmes haïtiennes, on a Karine Jean-Pierre à travers le monde. Et on a elle est porte-parole de la Maison Blanche. On a quand même Michelle Obama. Quand je l'écoute parler, il y a Oprah aussi. C'est des femmes que je suis et leurs mots font leurs impacts. Excellent, excellent. Donc, voilà qui met fin à l'émission de ce soir. Et notre invitée, Madame Marquise Ferjuste, et je rappelle le sujet, comment promouvoir le leadership des femmes en Haïti. Donc, j'espère que vous avez appris de Madame Marquise, et puis j'espère aussi que vous allez mettre en pratique les conseils qu'elle a pu formuler à travers son intervention. Donc, Madame Marquise, merci beaucoup, et puis j'espère qu'on pourra échanger une prochaine fois. Merci beaucoup, cher Jean-Ernst. Merci à tout le monde d'avoir suivi, et à la prochaine. Voilà, on va mettre fin à l'émission de ce soir. Je tiens à vous remercier, mais avant de vous laisser partir, je voudrais saluer tous ceux et celles qui sont avec nous. Madame Fanfan Yves Carmel, merci pour ta participation. Madame Franceline Basile, je salue également Madame Jennifer Dupéra, Monsieur Michel Fanor, Madame Roselyne Gentil, Monsieur Jean-Michel Charles, Madame Jeanne Immacula, merci d'être avec nous. Je salue également Madame Benita Coville de Bénédiction Crémas. Donc, si vous désirez trouver quand même un Crémas qui vous incite, je dirais, à continuer à le savourer, mais n'hésitez pas à faire appel à Madame Coville. Madame Coville, c'est une jeune entrepreneur qui s'est lancée dans cette activité depuis quelques mois. Et en tant que membre de l'émission End Leadership, tout le travail consiste à l'encourager. Madame Benita, et elle évolue à Boston, aux États-Unis. Et je pense que vous devez l'encourager parce qu'elle est des nôtres. C'est un membre de l'équipe. Pierre-Paul Boussico, merci. Wilnick Jean, notre ami Jean Briseus, merci. Madame Béatrice Tami Samuel, merci pour ta participation. Je salue également Madame Gladys Diraxin, Monsieur Chance Defay, Monsieur Paul Daniel Benjamin, Monsieur Fistor Maryland. Je salue également Madame Hélène Divinard qui est avec nous, Monsieur Pierre Brédi-Étienne, Monsieur Wilfried Pierre, Toastmaster Evans Juste. Je salue également Monsieur Kader Wasnel, sans oublier Monsieur Pierre-Paul Boussico. Je salue notre ami Docteur Pierre-Enoch François et enfin Madame Benita Coville qui salue Madame Marquise Ferjuste pour sa bravo. Il n'est pas donné à tous de se lancer dans de telles activités. Être femme et dans le contexte haïtien est synonyme de peur, est synonyme de, comment dire encore, de craponaille. Mais lorsqu'on voit ces femmes qui se lancent et qui continuent à se lancer, on ne peut que les encourager à continuer sur cette lancée. Et puis le Club 500 vous attend. Rejoignez le Club 500 et puis on vous attend. Inscrivez-vous parce qu'il y a de bonnes nouvelles. On a de belles nouvelles à vous annoncer dans les prochains jours. Et puis la prochaine émission, on accueillera notre amie du Cameroun, Madame Gertrude Ngiegue. On va continuer à parler de leadership au niveau des femmes, mais tout le mois de juillet quasiment est accordé aux femmes parce que je pense que les femmes ont un mot à dire. Et il faut quand même les accueillir pour qu'ils puissent exprimer leur opinion. Passez une très, très bonne soirée. Je vous aime beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à partager le direct. On est ensemble. On ne lâche pas et le meilleur est à venir.
Êtes-vous prêt à faire partie d'un partenariat gagnant qui propulsera votre succès vers de nouveaux sommets? Rejoignez dès aujourd'hui le Club 500 de Jean Ernst Leadership et découvrez comment soutenir financièrement notre émission tout en bénéficiant d'avantages exceptionnels. Le Club 500 de Jean Ernst Leadership va bien au-delà d'un simple club. C'est une occasion unique de soutenir une émission inspirante qui forme aujourd'hui les leaders de demain. En devenant membre du club et en choisissant votre niveau d'adhésion, vous contribuerez directement au financement de l'émission Jean Ernst Leadership. En soutenant financièrement notre émission, vous accédez à de nombreux avantages exclusifs. Vous bénéficierez d'un accès privilégié à des séances de formation, des conférences inspirantes et des ressources de développement personnel de qualité. De plus, vous serez invité à des événements spéciaux réservés aux membres où vous pourrez interagir avec des professionnels accomplis et des leaders d'exception. Votre adhésion au Club 500 de Jean Ernst Leadership est un investissement précieux dans votre propre croissance et celle des futurs leaders. L'inscription est simple et rapide. Rendez-vous sur notre site web pour découvrir les différents niveaux d'adhésion disponibles. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et rejoignez-nous dès aujourd'hui pour faire partie de cette communauté engagée de leaders. Ne manquez pas cette occasion unique de contribuer à une cause qui compte. Rejoignez le Club 500 de Jean Ernst Leadership et ensemble, créons un monde où le leadership et l'inspiration sont accessibles à tous.